Ouais, très difficile. Je crois que prendre 4 buts comme ça à La Beaujoire, on n'a jamais eu. On trouve que voilà, on n'est pas trop mal dans les matchs. On a des occasions, ils sont pas beaucoup d'occasions, mais à la fin tu perds 4-0, tu peux rien dire. C'est un peu tout, je crois. C'est mental, c'est un peu, on n'est pas en réussite. On a des frappes au poteau en premier mi-temps, on a 15 minutes fantastiques en deuxième mi-temps pour au moins on pouvait marquer un but. Après, voilà, 2-0, on perd un ballon bête, je veux dire, on perd un ballon difficile. Et voilà, après 2-0, je crois que Ludo il a une frappe qui le gardien il pousse. Et après, voilà, des erreurs, on a un peu trop lâché à la fin et ça, c'est lourd ce soir. Bah, pas lâcher, rester tous soudés, faire les efforts les uns pour les autres et gagner dimanche. Il n'y a pas un autre. Pour nous, dimanche, c'est une finale. C'est le match le plus important depuis longtemps. Je n'ai pas peur de mots. Donc on va tout faire pour gagner. Comme j'ai pu le dire avant, on est dans une mauvaise spirale, une spirale un peu négative. Ça ne réussit pas trop en première mi-temps, je pense qu'on a pu le voir. Et puis c'est des choses qui tournent en leur faveur après, parce que voilà, ils arrivent à en mettre 4 et nous 0 au final. Donc c'est des choses qu'il faut corriger, parce que voilà, là, on a besoin de gagner. Les matchs s'enchaînent et il faut des victoires. Oui, bien sûr, il y a des solutions. À chaque problème, il y a des solutions. Maintenant, à nous de les trouver entre nous, se concerter, se poser les bonnes questions et puis rester solidaire et fort mentalement pour les trouver. Ouais, ce dimanche, c'est vrai que c'est un match capital. On joue sur plusieurs tableaux cette saison. Maintenant, faut pas oublier que le championnat, c'est très important. Il faut jouer ce match de ce week-end à fond, parce que voilà, eux aussi sont à peu près dans la même situation que nous et vont vouloir sortir de cette mauvaise passe, et nous aussi. Donc voilà, il faut y aller à fond.